Depuis son ouverture, le parc du Futuroscope a accueilli plus de 42 millions de visiteurs. Ces pavillons signés par l'architecte Denis Laming sont répartis sur plus de 60 hectares. Déjà presque arrivé en haut, maman. Chaque année, le parc investit 10% de son chiffre d'affaires pour renouveler 20% de ses attractions. Grâce à ce renouvellement, ce sont 60% de visiteurs qui redécouvrent le parc chaque année. Autour du parc de loisirs, c'est une vaste technopole qui s'est peu à peu développée. Le lycée pilote innovant international, en 1987, premier lycée université de France, forme des étudiants de la seconde à Bac plus 2. Il a été le fer de lance du pôle formation. Sur la technopole, ce sont aujourd'hui 30 organismes de formation et des écoles d'ingénieurs qui se côtoient. Les travaux des laboratoires de recherche de la technopole, notamment ceux du CNRS, constituent 10% de la recherche française. 260 entreprises, un centre de congrès international et un vaste parc hôtelier se sont également implantés sur le site qui, chaque jour, voit évoluer 5500 salariés, 700 chercheurs et plus de 2100 étudiants. Le Futuroscope a permis de créer 4700 emplois directs sur le site et 3500 emplois dans le département. Depuis plus de 25 ans, le Futuroscope et sa technopole ne cessent de se développer, misant avec succès sur l'innovation, la recherche et la créativité pour nous permettre d'apprivoiser le futur. On est en train de redescendre déjà, non ? Oui. Je crois qu'on va rester en haut. On va descendre moins. Maman, c'est quoi la tour ? On descend au fur et à mesure. C'est quoi la tour ? Et s'il n'y avait pas de carreaux, c'est trop dangereux quand même. Tiens, les autres sont remontés aussi. Maman, t'as vu, il y a une montée là-bas. Ouais. Ils sont pas prêts et tout. Et tout. Il est tout seul. Sur un banc, il doit être juste en dessous de nous. Il avait la tablette. Oh, j'aurais pas dû. Le tricheur. Ah, mais bien, il est au soleil. Ouais. C'est pas pour rien, il y a des les cascades. Non, regarde. On descend plus lentement. Non, je croyais qu'on descendait.